Ah, vous êtes là? Bon, on va déballer ce petit colis, parce que ça fait quand même longtemps que j'attends ce colis. Bon, déjà, j'espère que vous me voyez bien. Je vais monter un peu. Voilà, donc là, on va pouvoir... Oh, mais cette joie monumentale qui est en train de s'installer. Oui, non, parce qu'en fait, pour vous expliquer, c'est un petit peu un rêve de gosse, tu vois, depuis tout petit. Je voyais plein de gens avec cet objet et je me disais, mais ce serait un rêve, en fait, de savoir comment l'utiliser, de l'avoir, d'avoir cet objet, mais à moi, tu vois. Et là, je me dis que... Et là, je me dis que c'est à moi, quoi. Voilà. Oula. Oh, putain. Eh bien, donc, font pas les choses à moitié, hein, moi, je peux te dire. Ah, il y a un petit truc dans le fond. Et voilà. Déjà, rien qu'en voyant cet objet, je pense que vous devriez comprendre. Donc ça, en fait, c'est un accordeur. C'est un accordeur de guitare. Je vais jouer de la guitare, en fait. Pour vous expliquer, en confinement, j'écoutais beaucoup, beaucoup Ed Sheeran et beaucoup d'artistes qui jouaient de la guitare. Et en fait, ma mère, récemment, avec quelques amis à elle, ils ont été en brocante. Et ils ont trouvé une guitare, donc celle-ci, à 10 euros. Bon, moi, je me suis dit, bon, c'est une guitare adulte, 4x4, franchement. Il manquait une ou deux cordes, mais franchement, je me disais, pour commencer, tu vois, pour essayer de se fier un peu à l'instrument, de se faire au truc, je me disais, c'est pas mal. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand j'en jouais, en fait, il y a plusieurs raisons au fait que le son d'une guitare puisse friser. Donc, quand tu frises, en fait, c'est que le son est très mauvais, ça vibre tellement qu'en fait, bah, le son est juste dégueulasse. Et principalement sur cette guitare, c'est qu'en fait, le manche, avec le temps, il s'est un peu tordu, ce qui fait que... Voilà. En fait, de toute façon, je sais pas encore très bien en jouer. Mais c'était juste en fait pour voir si j'arriverais à me faire à cet instrument. Et franchement, c'est un instrument qui me plaît, tu vois, je trouve ça cool. Mais quand t'as une guitare qui frise et en plus qui manque de cordes, je me disais ça sert à rien de la réparer. Du coup, je me suis dit que j'allais racheter une guitare. Et elle est là. C'est qu'en fait, je retrouve mon âme d'enfant et je me vois encore me dire putain, faudrait que j'ai une guitare et tout, tu vois. Elle est là, quoi. Pour l'instant, je me suis acheté que l'accordeur et la guitare en elle-même. Et après, je m'achèterai les supports et tout ce qui va avec. Mais pour débuter, les seules deux choses nécessaires sont la guitare et l'accordeur. Bon, déjà, elle est belle. Hein. C'est déjà un truc de ouf, en fait. Elle est là. That is my guitar. Ça devrait pas faire ce son là, donc il faut que je l'accorde. Mais en gros, ouais, le truc est là. Elle est très très belle. Je suis scié quoi. Waouh, c'est un truc de ouf. C'est ma guitare, les gars. Bon, déjà, si on peut faire une comparaison des deux, donc je précise que c'est une guitare classique 4x4, c'est à dire que elle est pour adolescents et adultes. Au début, j'en avais vu une à 30 euros. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Et j'ai regardé la description et en fait c'était pour des enfants de 6 ans. Donc c'était peut-être pas la bonne chose. Celle-là, bon, elle était bien, mais quand tu regardes bien, elle a des ch'tards. Bon, le derrière passe encore, mais il y a des petites rayures. Là par exemple, si tu regardes au reflet, il y a des petites rayures. Derrière, il y a des dessins dedans, on voit pas très bien, mais ça se voit que ouais, c'est une guitare de brocante. Après, pour 10 euros, franchement, ça valait le coup. Parce que du coup, j'étais déjà motivé pour faire de la guitare avant. Et quand j'ai eu celle-là et que j'ai commencé à en jouer, même si elle frisait, et bah, franchement, ça m'a encore plus motivé. Et de voir celle-là, franchement, de voir la bleue, je la trouve extrêmement stylée. Et en plus, ça va parfaitement avec l'ambiance de ce studio. Très fier, très, 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 très fier de cette guitare. Et je peux enlever celle-là. Je peux l'enlever. Et mettre celle-là à la place.